C'est comment? Ça va de goûter? Là, on va faire un petit commentaire. Je vais taper, de mon avis, sur un commentaire qui est sur le terre, là. Depuis, il y a une récit qui a envoyé un sujet, là. En fait, le sujet dit simplement qu'elle est amoureuse d'un gars, il s'appelle Ousmane. Il est moitié libyen, moitié tchadien. Et il y a un autre gars aux États-Unis, quand même, un docteur aux États-Unis qui est venu, il a fait la cour, tout ça. Et voilà, elle demande, est-ce qu'elle va choisir qui donc. Je fais de mon avis, ça m'a un peu touché. Voilà. Je ne comprends pas dire, c'est le commentaire. On raconte des histoires, on donne certaines choses, on fait les petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas quelqu'un, stop sur la vidéo, passe à autre chose. Ou alors, arrête tout le monde. Parce que c'est les gamins, le mot. Comment ici? Tu fais ta vidéo, tu ne donnes à personne. La personne s'énerve, t'insulte. C'est quoi? C'est moi. C'est quoi son moi? Arrêtez-le. N'envoyez pas ça sur moi. Parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment. Comme ça, puis anglais, c'est chaud. Très chaud. Prends-moi sur ma main. Il a reçu mon tapis. Aïe, coudi, aïe. Votre moi, coudi, aïe. Vous voyez, voilà. Bref, c'est un sujet assez complexe, vous savez. Enfin, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est assez interpellant parce que j'ai lu les commentaires, tout ça, c'est aussi amusant. Chacun donne son avis, hein, vous savez, personne ne connaît tout, mais chacun donne son avis par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à la situation et tout. Vous allez considérer ce sujet-ci. En fait, c'est un sujet un peu. Prenez ça comme une sorte de sociologie à la marécageuse, parce que pour nous, vient tout par le bas. Pour les autres, vient par le haut, mais pour nous, vient par le bas. Donc, on va parler de ça. C'est un sujet, je vais d'abord lire le sujet, vous allez comprendre. C'est une jeune fille de 22 ans qui ne sait pas choisir entre un cassard et un Camerounais. Voilà, vous allez comprendre la situation. Je lis d'abord le sujet. Et comment on n'a pas dit URC. Bonjour Arman, comment vas-tu? Je suis dans une situation sentimentale difficile. Je ne sais pas comment procéder pour que le terrain me donne des conseils. Salut à tous les terrains. Je suis jeune fille de presque 22 ans en août. Je suis étudiante en droit privé dans une université au cours. Je me retrouve dans une situation où je ne sais plus quoi faire. J'ai rencontré Ousmane il y a de cela 4 ans et demi. Il est moitié libyen, moitié tchadien. Au début de notre relation, il était très frivole. Il sortait avec presque toutes les filles. Et au bout de 2 ans ensemble, grâce à un travail acharné de ma part, j'ai réussi à le changer au point où aujourd'hui, il n'aime même plus que je l'aime. À la maison, ma mère le connaît ainsi que mes frères et sœurs, sauf papa. Il est vraiment très gentil et respectueux. Et mes sœurs, avec ma maman, m'aiment beaucoup. Voilà. Et ils sont très aimables. Rien à voir vraiment avec la discussion que les gens ont des Arabes ou des musulmans. En automne 2015, mon cousin qui est aux États-Unis. Il a dit qu'il y a un de ses amis qui a vu ma photo dans son phone et qui a flashé. Il a demandé s'il pouvait accepter de faire connaissance. J'ai dit oui. Et c'est comme ça qu'avec l'ami, on a commencé à causer sur Facebook, puis sur WhatsApp et enfin sur Imo. Il y a eu comme une alchimie entre nous au point où le jour où on ne causait pas, ça me paraît trop bizarre. Il s'appelle T. Il est petit comme moi. On rigole ensemble et on ne force rien. Il est donc venu ici au pays en mars 2016, ici à Yaoundé. Il a demandé si on pouvait enfin se rencontrer. Je suis allé même une semaine après son arrivée. Je l'appréciais déjà moralement et physiquement non plus. Et lui n'a pas été déçu de moi. Il m'a donc expliqué qu'il voulait faire sa vie avec moi, qu'il est prêt et qu'il sent que ça va marcher entre nous. Moi, je croyais qu'il m'ambiançait seulement. Quelques jours plus tard, il m'a amené chez eux, il m'a présenté à ses parents. Voilà, je vais retrouver le machin. Il m'a présenté à ses parents et ils m'ont bien reçu. Voilà. Et quelques jours plus tard, il a voulu se présenter à mon père. Ça m'a vraiment fait peur. Je lui ai dit que les choses allaient trop vite et qu'on devait aller mollo. Il m'a assis, j'ai un bébé. J'ai dit mes études. Il a dit qu'il voulait d'abord se présenter. Ça n'empêchait à rien de finir mon school. Ma mère connaissait quand même cette petite histoire avec ce T. Et là, quand je l'ai collé pour lui dire qu'il s'apprêtait à faire de moi, je n'étais pas prête. Quand je pensais aussi à mon Ousmane, j'ai été surprise qu'elle me dit d'accepter. Elle m'a même presque soupiré. Et là, elle me voyait déjà ghost. Comme j'allais aussi tirer ma petite soeur là-bas. Bref, un genre de chantage émotionnel que je n'ai pas compris jusqu'à me dire qu'elle se met à genoux, que pardon, j'accepte. C'est donc comme ça que j'ai accepté, non, T. Et donc, venu dans la vie où se trouvaient mes parents et s'est présenté à mon père. Il a beaucoup questionné et fin de fait, il a plu à papa. Son projet est le suivant. Puisqu'il est docteur aux États-Unis là-bas, il est rego pour le travail. Entre temps, ses parents doivent venir dans 2 mois toquer à la porte et demander la liste et vendre en octobre pour la dot et le mariage en janvier. Et je le rejoins aux USA. Voilà son plan. Entre-temps, Ousmane veut déjà demander ma main. Il est même déjà chaud. Il veut concrétiser ses années ensemble. Il essaie de me dire qu'il m'aime. Il voudrait que je sois la mère de ses enfants. Le bébé est que mon papa n'aime pas trop ces gens-là comme ça, qui les appelle. Il a beaucoup de préjugés, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Or, moi, ça, je le connais. On s'est déjà mis d'accord sur le fait que personne ne sera forcé de changer de religion. Que je travaillerai. Bref, il a plein de projets pour moi. Ce n'est pas l'argent qui manque dans leur famille. Il en a. Et ma mère, depuis qu'elle connaît T, elle rêve seulement de me voir à l'étranger, ne veut plus entendre parler d'Ousmane. Alors que c'est qu'il n'a jamais manqué l'occasion de la mettre en haut chaque fois qu'il la pouvait. S'il vous plaît, aidez-moi de mes choix. J'aime les deux, mais celui que j'aime, c'est Ousmane. Je sais qu'il ne manquerait jamais de rien. Et comment faire avec mes parents? Comment ne pas sortir perdant? Je suis dépassé, j'ai peur de décevoir mes parents et de vivre avec des regrets. Mais je suis d'avoir lu jusqu'à la fin. Je sais que ce n'est pas facile pour moi. Je sais que c'est long.
Ouais, c'était assez long le sujet. Mais je veux donner mon avis. C'est assez bizarre, petite sœur. Je vais en parler de toi. D'abord, au départ, quand j'ai vu tout le sujet, j'ai d'abord dit que tu as une bonne moralité. À l'instant, je n'ai pas bien compris au début. En fait, j'ai cru que le fait que le docteur se présente, tu hésites avec Ousmane, tu es une fille de bonne moralité. Mais quand je creuse maintenant le sujet, au fond, je comprends que tu es une fille assez matérialiste. En fait, je ne te donne pas tort, hein. Je dis juste ce que je ressens sur ton sujet. Chacun voit le matériel où il voit. Il ne faut pas rire parce que le monde ne donne pas le lait. Mais je vais te donner mon avis sur ça parce que je précise aux gens, c'est à la marécageuse. Si ça choque quelqu'un, c'est pour vous là-bas. Donc, c'est pour moi, c'est à terre. Déjà, petite soeur, tu es une fille matérialiste. Parce que ce qui m'énerve, parce que tu essaies de faire un peu la morale, va la faire, un peu comme si tu es dans l'amour. Non. Au départ, tu étais avec Ousmane. Et parlons d'Ousmane. Parce que ce que les gens oublient, c'est que parlons d'Ousmane. Ousmane, il est métisse. Et nous savons tous, Camerounais, c'est que les métisses sont au Cameroun avec les filles camerounaises. Donc, tu n'es pas derrière Ousmane juste parce que, voilà. Tu es derrière Ousmane parce qu'il est d'abord métisse. Il faut parler aussi de ça. Oui. Et en plus, c'est cela. Ousmane est un tombeur, apparemment. Et on sait comment les filles camerounaises meurent les métisses au Cameroun. Donc, comme vous, certaines filles parmi vous, vous allez vers les hommes qui sont convoités. C'est une sorte de challenge pour vous. Et en plus, beaucoup de filles comme toi ont au fond d'eux-mêmes un but. Changer un homme qui est volaille. Enfin, qui coudait les femmes, qui a les femmes à ses pieds. Donc, c'était un combat pour toi. Ce n'était pas seulement pour les beaux yeux. Tu allais passer d'abord, il est métisse. Je suis sûr, s'il était noir, tu serais parti de. Tu ne bagarrais pas d'elle pour essayer de changer. En général, il est métisse. Tu as essayé dans ta tête, tu l'as changé. Parce que voilà. Donc, d'abord, tu es derrière lui parce qu'il est métisse. C'est un point que je veux. C'est ce que je suis sûr de ça. Tu es derrière lui là parce qu'il est métisse. Métisse, c'est ça. Bon, bref. Maintenant, tu dois être amoureuse avec lui. Ça fait quelques années ensemble. Voilà ton cousin, ça, juste te dit qu'il y a un garçon. Ton cousin ne t'a pas arrêté. Il t'a dit qu'il y a un gars qui veut te voir, qui veut te voir toi, qui veut discuter toi. Tu as accepté. Quand une fille est amoureuse d'un gars et qu'elle veut vraiment faire sa vie avec lui, elle ne prend pas le contact avec notre gars. Car c'est accepter que le diable entre dans la maison. Tu as accepté celui des États-Unis. Parce que quoi? Tu as les longs yeux. Oui, moi je te reproche pas, mais te dis juste la vérité. Parce que moi, je suis un homme que j'aime moi dire les choses vraies. Je te reproche pas parce que chacun a le droit de voir les longs yeux, c'est normal. Tu as accepté le gars des États-Unis, pourquoi? Parce que le titre, oui, et en plus, il est notable. Donc, il est venu au Cameroun, vous avez bien Binda, il faut dire la vérité, vous avez Binda, c'est très clair, c'est au sol. Dans ta tête, tu as dit, je croyais qu'il allait jouer. Donc, tu t'es dit, bon, j'ai pris le plaisir. Mais en tout cas, Ousmane n'est pas au courant que tu as un autre thé aux États-Unis, que tu n'es pas au courant. Donc, tu n'es pas une fille très sérieuse. Donc, je dis tout à pour que tout le monde voit que tu n'es pas une fille si sérieuse que ça. Tu es une autre modéliste. Donc, parlons du modèle et quittons sur ça. Comme ça, chacun connaît son couloir. Donc, Ousmane est rentré maintenant. Enfin, Ousmane maintenant, celui des États-Unis, maintenant, s'est engagé sérieux. Et en plus, tu dis qu'il est bêtis comme toi. Toi, tu es bêtis, il est bêtis. Donc, déjà, vous avez un point commun par rapport à la tribu. Les parents ne vont pas dire que blablabla. Ça, c'est la première chose. Le gars de Ousmane, il est étranger, il n'est pas camerounais. Il est libyen, tchadien. Donc, comme je dis souvent dans mes vidéos tous les jours, vous croyez que vraiment pas mal. Pourquoi vous, les filles, là, vous ne pensez pas toujours loin? Laissons argent par argent. Toi, tu avais le gars en Kassala. Tu as été avec un Camerounais. Je répète encore que si le gars en Kassala, demain, il va rentrer, parce qu'il va rentrer dans son pays, soit en Libye, soit à Djamena, tu vas le suivre à Djamena. Vas-tu faire ta vie à Djamena, ou en Tripoli, ou en Kouba, ou les matchs là-bas? Parce que vous, les gars, là, vous dites tout ça. Est-ce que tu es là prêt? Il faut poser ces questions d'amour, là, parce que nous sommes là pour de côté. Vas-tu rentrer là-bas, faire ta vie là-bas? C'est ça. Est-ce que tu vas passer toute votre vie d'aller être chrétien, musulman? J'ai jamais vu. Impossible, tu vas finir par être musulman. C'est obligatoire. Tu dis, il a dit qu'il ne serait jamais ça. Mais tout le monde dit ça. Mais comment les gars disent tout que celui-ci a dit qu'il est gentil? Celui-ci a dit que. Il va te montrer son mauvais vie à moi. Donc, d'abord, du côté Ousmane, il a d'abord un handicap de ce côté-là que tu vas finir par être musulman. Le voile, tout ça, ça c'est obligatoire. Tu vas aller vivre au Tchad ou en Libye. Tu n'as pas pensé à ça, mais tu es dans le cœur qui va vous être au Cameroun, là, ton gueule. Mais il faut penser à plus tard. C'est un étranger. Ça, c'est la première chose. Donc, quand vous voulez choisir vos compagnons, là, ne regardez pas seulement vos belles gencives. Regardez aussi l'avenir. Laissons le côté là. Maintenant, on va voir sur. D, qui est aux États-Unis. Il dit qu'il est docteur. Parce que beaucoup de Camerounais restent sont médecins, ils sont infirmiers, ils sont tous docteurs. Bon, bref, disons que c'est vrai. Ça veut dire qu'il a un bel avenir. Et en plus, il est engagé parce que, regarde la vérité en face. Au Cameroun, nous connaissons tous, juste au Cameroun des mondes. Les plus belles filles, on le sait, elles sont là. Les plus jolies, elles sont là. Les formes, elles sont là. Si Ousmane, États-Unis, docteur, laisse toutes ces filles-là pour venir vers toi, ça veut dire qu'il y a un potentiel qui lui plaît tellement. Hein. Estime-toi heureuse, hein. Je te le dis très sincèrement. Parce qu'il y a le choix au Cameroun. Il y a le choix! Elles sont partout. Et même les filles qui sont plus. Qui ont des boulots, qui ont le travail. Vous des gars qui ont de. Elles visent les gars de l'extérieur aussi, hein. Oui, il y a des choses. Donc si le gars t'a pris, n'est pas parce que tu as les belles dents blanches. Estime-toi heureuse. Donc pour moi, si je suis ton grand frère, je devais te parler comme un grand frère. Je ne veux pas te parler juste pour te dire que la moralité. Non, il faut dire les choses que tu peux aussi toi me faire. Dans le cas d'Ousmane et CT, la question ne devait pas se poser. Déjà, un.
Même s'il fallait laisser parler de sentiments, tu vas finir ta vie à Ousmane, au Tchad ou au Libye. Ça, c'est un peu tu devrais l'éliminer dans ça. Et l'autre, il est petit comme toi. Les parents ont accepté. Et tu te plains que ta mère fait les longs yeux. Mais tu crois que la mère allait dire quoi? Tu te plains la mère pourquoi? Il y a les réalités auxquelles il faut parfois se confronter à ça. Hein. Si vous, c'est la grande mais c'est pire. Oui, je dis aux gens là, il est parfois mieux de dire que la grande ne fait pas le bonheur quand tu es dans une Mercedes climatisée que d'être sur une moto à l'eau, tu avais la chaleur. C'est le fer. J'ai déjà dit que la chaleur doit la taper que les. L'origine n'a pas le problème de chaleur. Quand il fait chaud, je vais à la piscine, je vais à Limbé. C'est ça. Il faut dire la vérité. Quand vous dites la vérité, fait pas le bonheur, il faut d'abord regarder la réalité. Parce que en pleurant, imagine tu prends tes études aux États-Unis, ça n'aime. Au moins, tu peux encore faire ta formation, ton travail, aider ta famille. Il faut réfléchir à ça. Après, Ousmane, tu vas aller en Libye, à Tripoli, à Djamena, ça n'aime. Tu pleures à qui? Qui va venir là-bas? Tes parents m'ont voulu te chercher. Et tu parlais d'amour. L'amour se construit, hein. L'amour se construit. Je vous ai dit qu'il ne faut pas toujours regarder quand le cœur bat. Boum, 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 boum. Ousmane, tu n'aimes pas trop Ousmane là toi-même. Tu es dans le mari, ma, tout ça. Là. La réalité, tu n'aimes. Si tu aimes Ousmane, Ousmane, tu n'es pas commencé avec tes. Maintenant, tu as commencé avec tes, ça allait loin. Maintenant, tu fais ta tomate. Tu vois, tu dis oui, mais je veux. Non, non. Pour moi, s'il faut choisir, choisis le Camerounais. Ton talent. S'il fait tous les cas où là, tu vas aux États-Unis, là-bas, tu fais ta formation, tout ça, tout ça. Ça ne va pas avec lui. Tu peux encore rebondir en aidant ta famille. Certains vont venir dire, oui, mais l'amour... l'autre a dit là-bas sur le sujet, il fait un débat que... Est-ce qu'avec T.S. elle aura le bonheur? C'est avec Ousmane qu'elle aura le bonheur. Vous pensez parce qu'elle dit qu'elle aime là maintenant, qu'elle aime vraiment le gars, pourquoi elle a accepté l'autre? C'est en allant en Djamena ou en Tripoli qu'elle aura le bonheur. Le bonheur, on se construit le bonheur soi-même. On choisit le bonheur qu'on veut quand on a les possibilités. Oui, c'est chacun connaît le déroulé de son bonheur. Certains gens, parfois, c'est parce qu'il fait une formation, il va travailler, que ça n'est pas le bonheur là-bas. Le bonheur là-bas n'est pas en se mettre quand tu n'as pas 5 tu c'est dans le bonheur. Non, quand le game te touche, tu n'as pas le bonheur. La voix te rend dingue. Il faut dire la vérité. Donc, petit soeur là, pour moi, prends le Camerounais. Oui, il ne faut pas crier sur ta matière. La matière va loin. Oui. Et tu vas dire Ousmane, c'est bien. Je sais qu'au fond. Les gens vont dire, bon, tu vas accepter, tu vas aller aux États-Unis, toi tu penses à Ousmane, c'est normal. Est-ce que la situation Ousmane est banquée? Et même si tu es là, si demain il y a tout ça, et puis il tient un peu, il tient ta copine, tu vas pleurer. On va pas te dire. Tu vas pleurer où? À Djamena. Ou bien peut-être si Ousmane lui-même te banque de vue. C'est Ousmane que tu l'as changé. Pourquoi qu'on change donc comme ça? Pourquoi tous les gars ont toujours en tête que j'ai réussi à le changer? Vous avez un combat. Un homme doit se changer lui-même, un homme doit prendre conscience lui-même. Vous n'arrivez pas toujours, il ne faut pas tout passer votre vie à vouloir changer un homme. Car ça va tout revenir trop tard. Il s'est calmé pour l'instant. Et en plus, tu es derrière lui parce qu'il est métoche. J'insiste sur ça parce que je vous connais. L'anglais, tu es derrière lui parce qu'il est métoche. S'il était noir, aussi, là, tu n'es pas dû parler de. Parce qu'il est métoche, il a une belle gueule, tout ça. Voilà, maintenant, tu dis qu'il a, il a les moyens aussi. Non, il n'est pas comme le gars de Dota. Le Dota, l'avenir. Enfin, c'est ce qu'il dit, hein. Je ne sais pas aussi ce qui passe aux États-Unis. Mais au moins, le Green Card. oui, oui, oui. Je pouvais te dire, non, bah, le docteur, accepte Ousmane. Non, ce n'est pas prudent. Mieux vaut pleurer. La voix, quand on a Washington, quand on a Washington, je le vois un peu, où c'est bon, après d'aller pleurer, la voix est à Bassamba. oui, à la réalité. Voilà, c'était juste, j'ai dit, sur ce sujet-là, ça m'a un peu. Voilà, je voulais appuyer sur le point que la fille, si elle-même n'est pas très sérieuse. Donc elle essaie de faire comme si elle est dans l'amour. Non, non, tu n'es pas très une fille très amoureuse. Toi-même, tu calcules. Tu as calculé sur T. Parce que tu savais qu'Ousmane était un peu pas très sûr là. Et là, maintenant, tu s'engages maintenant. Là, tu te crois trop belle, trop importante. Tu fais maintenant la tomate. Oui, c'est trop. Ça va un peu trop vite. Ça. Oui, oui. Attends qu'il prend ta copine, il va trop vite. Tu vas confirmer. Tu vas confirmer. On a eu des cas aussi comme ça. On a eu des cas aussi d'un gars qui voulait épouser une fille. La fille faisait la tomate. Dès que le gars laissait prendre sa copine. Elle a, là où elle était avec son amoureux de Benzikino, ça n'a pas marché. Voilà, elle s'est mise à pleurer. Je ne dis pas que les Benzikino et Benzikino, les pauvres n'ont pas grand amour. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a cette situation où. Bref, on ne se marie pas toujours avec celui qu'on aime ou celui qu'on veut. C'est, ça se construit à le temps. Mais il faut parfois regarder son plan B. Hein. On ne donne pas le lait. Ben oui, si je suis à ta place, petite soeur, on va beau dire, je vais dans le stade du Nord, on verra un peu. Enfin, parce qu'on ne compare la situation familiale. Si ta mère parle, on sent que là, waouh! Et là, waouh, mon ami, la moralité là, tu as du boune, hein? Oui, 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 c'est à terre. Bon, bref, c'était juste mon avis sur le sujet. Maintenant, ceux qui pensent qu'elle doit choisir Ousmane pour le bonheur, parce que le bonheur avait le cas, ça. Continuez le donner sans frontières. Continuez, vous êtes toujours championne. Dans 10 ans, voilà, Ousmane, comment ça se passe à Tripoli. Tu vas confirmer. Tu l'es ton frère du village là, pour courir derrière les belles gencives de Ousmane, parce qu'il est métisse. Tu vas confirmer. Bon, bref, pour moi, tu n'as pas le Camerounais. Camerounais, c'est Camerounais d'abord. Les étrangers, je vous ai dit. Même au Camer qu'on a ensemble, là, à notre temps, une fille sortait avec un biafré. Elle est finie au quartier.
Elle est finie, on ne l'arrêtera plus. Elle est finie. Vous continuez toujours dans le dos en foutre. Alors qu'il y a des Camerounais partout. Et là, tu as ton Camerounais qui vient te dire, voilà, je te veux du sérieux. Et que le style vient te programmer. Toi, tu es trop belle. Tu as même trop de chance. Continue à faire à toi. Donc voilà, si tu veux, tu continues. Mais c'est que, je sais au fond de moi-même que tôt ou tard, tu vas aller aux États-Unis. Ils font la toi, mais ils ne paient pas le nom. En tout cas, ils te souhaitent bonne chance. Aussi. Choisis ce que tu vas choisir, tu assumes. Chacun son couloir. Nous, on donne que notre avis sur les terres. Chacun parle ce qu'il veut parler maintenant. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais, non, voilà. Je finis faire pour dire tchatchupunka à tout le monde. Mengabe, Makamazu. Je m'en vais, mais je ne viens plus. Mm-hmm.